ici, qui est réfléchi par ce miroir, et un laser vert ici, qui est réfléchi par un miroir un peu spécial, qui est un miroir dichroïque, donc qui réfléchit la lumière verte et qui laisse passer la lumière rouge. Au final, ici on a un faisceau rouge, et ici on a du coup deux faisceaux confondus, rouge et vert. Et après ici on a une petite lentille qui vient étaler les deux faisceaux. Donc ensuite, plus je m'éloigne, plus j'ai les taches qui deviennent de plus en plus larges. Et au final, on arrive ici, on a un miroir à 45 degrés qui réfléchit vers le haut les deux faisceaux laser rouge et vert. Donc c'est l'endroit où on fait l'hologramme. Concrètement, on prend une plaque, on coupe le faisceau laser bien sûr, on prend une plaque avec des sels d'argent dessus et on pose l'objet dont on veut faire l'hologramme, comme ça, et on laisse passer le faisceau laser pendant quelques secondes. Pendant ce temps, on fait l'hologramme, on imprègne, on fait une fio d'interférence qui va imprégner sur les sels d'argent de la plaque le relief de l'objet. Et ensuite, on prend l'hologramme et il faut le développer comme une photo noir et blanc. En fait. Et on a l'hologramme. Je dois avoir un truc de transmission, mais... génial. C'est un petit hologramme par transmission, c'est-à-dire qu'il y a des hologrammes que vous pouvez voir qu'avec des lasers. Cela s'observe en lumière blanche, je n'ai pas eu le temps d'expliquer. Et ça, c'est un hologramme qu'on ne voit qu'avec un laser. Donc il faut regarder à travers. Je vais essayer de voir si ça marche comme ça. Je vais vous le montrer. Voilà, si vous venez le voir, il est sympa, c'est un Bouddha. Et vous ne le voyez que... Vous voyez le Bouddha? Vous voyez? À travers. Donc ce type d'hologramme, vous ne le voyez qu'avec le laser. Alors que l'hologramme qu'on a réalisé, hein, si j'ai pas, j'ai beau l'éclairer, sinon vous ne verrez jamais rien. Alors que les hologrammes, celui qu'on a réalisé, c'est un hologramme par réflexion, vous l'observez en lumière blanche au final. Ce qui est vachement plus pratique. L'explication, disons que concrètement, quand vous faites un hologramme par transmission, il faut que les deux faisceaux laser, référence et objet, arrivent du même côté de la plaque. Alors que moi, l'hologramme que j'ai fait, vous avez le faisceau qui vient depuis l'objet qui vient là, et le faisceau référence, il vient comme ça. Les deux faisceaux viennent du côté opposé de la plaque. Dans ce cas-là, c'est un hologramme par réflexion qu'on voit en lumière blanche. Et la transmission, c'est la façon d'observer, en fait. Vous regardez à travers, alors que cet hologramme-là, vous le regardez en réflexion. En fait. Mais c'est historiquement, les premiers hologrammes inventés, c'est ceux-là. Et c'est Youri Denisuk, un peu après, qui a proposer une technique qui permet de faire des hologrammes en lumière blanche. À 60, alors 48, c'est la mention holographie par Denis Gabor, mais il n'y avait pas les lasers. Donc c'est les années 60 où tout a explosé, parce que là, les lasers ont apparu, on a créé les lasers, et on avait une source de lumière fantastique pour les hologrammes. Ça devenait beaucoup plus simple. Donc les premiers hologrammes, c'était des hologrammes par transmission qu'on voyait avec des lasers. Ils ont fait des expos et tout. Les Russes, dans les années plutôt 70, je crois, on fait une exposition itinérante d'objets de tsar, tu sais, des sabres, des trucs. Oui. Mais ils n'ont pas déplacé dans toute l'Europe les objets, ils ont déplacé les hologrammes des objets. C'était tellement bien éclairé que les gens pensaient voir les objets. Et ils ont déplacé que les hologrammes. L'année dernière, je suis allé à Saint-Pétersbourg, j'ai vu le laboratoire où Youri Denisuk a vécu, donc un des grands inventeurs d'holographie. J'ai vu des ils ont une exposition d'hologrammes à Saint-Pétersbourg. Là, il y a un musée de l'holographie, c'est impressionnant. Ah oui. Des milliers d'hologrammes, des trucs. Il y a un hologramme de la statue de Staline, comme ça. On a l'impression qu'il vous saute dessus. Impressionnant. Il y a des trucs absolument hors du commun. Est-ce que c'est une façon, finalement, pour conserver des... Oui, pour les musées, oui. Complètement. Oui. Si vous voulez exposer un objet, qu'il est fragile, oui. Ou il a beaucoup de valeur, oui. Vous exposez l'hologramme de l'objet. Et quand c'est bien éclairé, ils ont fait les œufs Fabergé. Oui, oui, les œufs Fabergé. Oui, ils ont fait une collection d'hologrammes des œufs Fabergé. Ah, oui. Vous ne savez pas, si on ne vous dit pas qu'il y a un hologramme, vous croyez que vous observez les œufs Fabergé. Ah, oui. À 180 degrés. Ils sont tellement réalistes. Et c'est la technique que je montre là. Ils prennent un peu plus de soin que là, parce que c'est en laboratoire, mais c'est pareil. Mais il y a une telle valeur sur ces objets ils font des expositions avec les hologrammes des objets. On a vu vous l'avez vu? Les œufs Fabergé, vous avez vu? Eh bien voilà. Ben là, ils ont fait. Et maintenant, je pense qu'elle va bouger l'exposition parce qu'ils ont une exposition des hologrammes des œufs.
qui est absolument magnifique. Et quand on regarde donc par celui-là, il n'y a aucun danger pour la vue. Et quand on regarde avec le laser, il y en aurait. En fait, bon, la petite, il y a deux. Oui. En fait, ici, oui, tout à fait. Vous avez raison. Là, le faisceau divergent à partir de là. Là, oui, là, c'est dangereux pour l'œil. Là, il faut pas mettre l'œil. Bon, faut le faire exprès là, mais il faut pas mettre l'œil là. Parce qu'ils font 20 milliwatts. La limite de sécurité, c'est officiellement, c'est moins d'un milliwatt. En fait, faut vraiment faire exprès pour se faire mal au-delà de 3, en dessous de 3 milliwatts. C'est pas dangereux. Donc, les chercheurs, enfin, ils le savent, mais en faisceau parallèle.